Le troisième accord dit « ne faites pas de suppositions ». Faire des suppositions, c'est la recette idéale pour souffrir, parce que la plupart des suppositions ne sont pas vraies, elles ne sont que de la fiction. Les humains ont une imagination puissante, et nous n'arrêtons pas d'inventer des choses en imagination. On imagine ce que les autres font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils racontent à notre sujet. On s'invente toute une histoire parce qu'on ne connaît pas la vérité. Or, tout le problème avec les suppositions, c'est qu'on croit qu'elles sont vraies. Les humains éprouvent le besoin de tout savoir, alors nous faisons des suppositions pour satisfaire ce besoin. Nous ne nous demandons pas si ce savoir est vrai ou non. Nous croyons ce que nous voulons bien croire parce que la seule détention d'un savoir nous procure un sentiment de sécurité. Il y a tant de choses que notre cerveau ne peut expliquer. Tant de questions restent sans réponse. Alors, au lieu de poser des questions, nous faisons toutes sortes de suppositions. Toute la tristesse, tous les drames qui parasitent notre vie s'ancrent dans l'habitude de faire des suppositions et de prendre les choses personnellement. Pratiquement tous nos conflits découlent de cela, et il est facile de comprendre pourquoi. Les suppositions ne sont rien d'autre que des mensonges qu'on se raconte. Nous prêtons l'oreille à la voix qui s'exprime dans notre tête. Une supposition en entraîne une autre. Nous nous méprenons, nous prenons les choses personnellement, puis nous réagissons en émettant le poison émotionnel par la parole. Tout cela crée des drames sans fin pour rien. L'une des plus grandes suppositions que font les humains est que tout le monde perçoit la vie comme soi-même. Et c'est pour cela que nous n'osons pas être nous-mêmes en présence d'autrui. On s'imagine que les autres vont nous juger et nous rejeter de la même façon que nous le faisons envers nous-mêmes. Mais ce n'est pas vrai. Les autres vivent dans un monde totalement différent et ils nous jugent d'après leur propre point de vue. Une autre supposition que font les humains est que notre réalité virtuelle est la vérité absolue, alors que ce n'est qu'une vérité relative, qui est toujours déformée par le savoir stocké dans notre mémoire. Prenez conscience que pratiquement tout ce que vous racontez n'est que supposition. Faire des suppositions, c'est penser. Nous pensons trop. Et la pensée engendre des suppositions. Le seul fait de se dire « et si ?» peut déclencher tout un drame dans notre vie parce que la pensée engendre la peur. Et si elle ne m'aimait pas? Et si je ne trouvais pas de travail? Et si j'échouais? Nous ne pouvons pas contrôler ces pensées-là, toutes ces paroles qui nous vrillent la tête. Pour ne pas faire de suppositions, posez des questions. Et même si vous le faites, n'allez pas croire que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur telle situation. Quand vous aurez entendu les réponses, vous n'aurez plus besoin de faire de suppositions parce que vous saurez la vérité. Quand vous ne faites plus de suppositions, votre parole devient impeccable. Vous communiquez clairement, sans le moindre poison émotionnel. Le cadeau que vous fait le troisième accord Toltec, c'est l'immunité contre votre propre voix intérieure, la voix du savoir ou ce que l'on nomme la pensée. Dès que vous ne prêtez plus attention à cette voix, votre attention est toute dans l'instant et votre vie en est totalement transformée. Sitôt que vous récupérez toute l'énergie investie dans des suppositions, vous pouvez l'utiliser pour vous forger une vie meilleure. Ne faites pas de suppositions.